salut à tous, c'est Xuscarté, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Mystery Case Files Unsolved. Et oui, ça commence à se finir tout doucement. Alors, affaire numéro 11, homme de confiance. Des habitants ignorants de Huntsville ont été trompés par un sinistre et persuasif complot. Voyez si vous pouvez identifier le cerveau de cette infâme machination et l'envoyer derrière les barreaux. Alors, recherchez des indices dans le magasin de jouets, l'animalerie et d'autres scènes pour découvrir où se cache le manipulateur. Ensuite, vous allez à l'ordinateur. Blablabla. Temps estimé 24 minutes et il faut trouver 47 objets. Donc ceux-là, on les a déjà tous vus, donc on va commencer par le musée des sciences. Alors, tout d'abord, une coccinelle. La coccinelle est là. L'artichaut. Alors, l'artichaut, il est là. Un fin, c'est ça. Une balance. Non, c'est pas ça. Bougie de moteur, sachez que je l'avais trouvé en cliquant dessus en lâchant pas de bon truc. Là, on a le requin, le fameux sanglier violet. La fameuse saucisse sur bâtonnier. Bon, c'est pas grave, on reviendra tout à l'heure. Ensuite, deux oiseaux volants. On pourrait compter, mais bon. Je vous ai dit, faut pas chercher à comprendre leur logique. Donc, il y en a déjà un. Et le deuxième. Ensuite, une bouteille de soda. On va dire coca, hein, parce que n'importe qui aurait reconnu le truc. Ensuite, un cerveau. Alors, le cerveau, il est... Déjà, canne à sucre, elle est là. C'est quoi ce truc-là, pique béchette. Alors, le cerveau, j'en ai aucune idée de où il peut se trouver. Alors, on va chercher plus tard. Comment ça, il m'en reste encore deux? Ah, c'était pas ce truc là que j'ai trouvé de piquer de bêcher. Et alors, il est où? Bon, on reviendra voir. Caserne. Une. Deux. Peut-être une araignée, la poêle, le pamplemousse. Ah, je l'ai trouvé, la troisième horloge, elle est là. Ensuite, une tenaille, ça ressemble à une genre de pince, tout simplement, et elle est ici. Le tournevis, il est là. La lanterne,
Et le... Tel est notre téléphone, ça. Et ouais. Et forcément, ok. Désolé, alors un cadenas. Et ici, une cloche. La fameuse dague. Masque doré. Fameuse bière. Le poisson, le violon, il est peut-être... Non, c'est pas ça. Alors... Le violon. Putain, pour une cloche, était bien caché. Microphone. Hamburger. Le connu, c'est qu'il est en haut. Non, ça, c'est une peau de banane. Le habit, le fer à cheval, donc le vieux phonographe, c'est ce truc là, masque, un, deux, trois, quatre. Ouais, ou pas, si tu le dis. Alors, une maison. Ici. Ventilo. Ventilo. Mixeur, ça devrait ressembler à un mixeur normal et pas à un truc bricolé d'un jeu. Alors.
Là, on a le cochon. Le mixeur. Et la poire. Le cerveau était là, bien évidemment. Le fameux pic béchette. Oh. Il pouvait me remarquer ça, mais enfin bon. Objet à résoudre. Faut trouver à résoudre le crime. Le microphone. Oh, dire que j'ai voulu cliquer dessus. Et voilà. Arrestation exemplaire. Vous avez Ludwig Erlich, blablabla, vos habitants de la ville. Ça se rassurer, il est en prison. L'emblème sur sa veste est étrangement familier. Familier. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suivante. Salut! Thank you.